Un vent de fraîcheur souffle depuis plusieurs semaines sur 7. Après avoir fait la pluie et le beau temps sur le tournage de Demain nous appartient. Des personnages très appréciés des fans de la série ont fait leurs adieux. Linda Hardy, qui interprétait depuis 3 ans la prof de sport Clémentine Doucet, a connu une fin tragique. Elle a perdu la vie après une violente altercation avec son compagnon, Sacha Girard. Le départ s'est fait plus en douceur pour Rani Bémuc et Dambo Camilo. Le personnage de Lou Clément depuis le début de La Quotidienne a fait ses valises pour s'installer définitivement à Marseille. Avec sa fille Nina. Cette femme sensible et forte, cette avocate déterminée, je sais déjà qu'elle va profondément me manquer. Je suis fière d'avoir porté ce personnage à l'écran. J'ai énormément appris sur ce plateau au rythme extraordinairement intense. C'est une aventure humaine unique, a écrit la comédienne sur son compte Instagram. De son côté, celui qui incarnait le sympathique Souliman a annoncé qu'il rejoignait son père Antoine Myriel. Au château de Calvière, théâtre somptueux de l'Institut Auguste Armand. Pour combler le manque, de nouveaux visages viennent troubler la vie, pas si paisible, des 7 toiles les plus connues de France. Si Charlotte Gaxiot, qui incarne la mère de famille Audrey Roussel, est venue chercher un peu de soleil avec sa tribu. Un homme est déterminé à faire vivre quelques heures sombres aux clients du Spoon. Ce mercredi 18 août, les téléspectateurs ont découvert que le charmant Anthony, hébergé gentiment par la famille Moreno, était impliqué dans la prise d'otage qui a lieu en ce moment dans le bar de Tristan Girard. Alors qu'il s'était mêlé aux victimes, il a pris le contrôle des opérations avec sa mystérieuse complice. Dans la peau du ténébreux qui fait craquer Charlie Molina, Benjamin Guettet, un jeune homme aux multiples talents. 2 ans avant d'intégrer l'aventure Demain nous appartient, le comédien a joué dans la série En famille. Diffusée sur M6. Sur le petit écran, il a également été aperçu dans La Guerre des Trônes. La véritable histoire de l'Europe et à Avitam. Les cinéphiles ont pu découvrir Benjamin Guettet dans Simone. Le Voyage du siècle, le film réalisé par Olivier Dahan en 2019 mais aussi dans Jean-Claude de Pierre de Susoni. Modèle photo, le jeune homme est aussi un passionné de musique. Il joue de la guitare et de l'harmonica. Dans les studios de 7, sa partition ne sera pas des plus douces.